Je reviens sur mes pas, c'est pas grave, j'ai bien. Non, c'est la merde. C'est mille fois la merde là. Je suis mille fois perdu aussi. Bonsoir. Je suis tellement perdu, non mais. Ok, là je vais tout droit et ensuite je prends à gauche. L'identité des invités venant visiter Thanos est strictement confidentielle. Ah mais je me suis pris l'éclair comme un bâtard encore. Alors les coups, Carter, énorme. Je suis niveau 3. Faut que je descende d'un niveau. Par ici. Par là. Ok, trop bien. Oh, sens de l'orientation. Terrible. Terrible. On se perd dans les bois. J'ai encore perdu beaucoup trop de vie. Un jour, j'irai à un endroit pour fabriquer des trucs de nouveau. Faire un peu de recyclage, même si je dois plus avoir beaucoup de pièces à recycler. À mesure où je ne m'arrête plus pour combattre des trucs. Je pourrais profiter du chaos d'ailleurs pour essayer de battre les choses, mais... J'utiliserai encore plus de munitions. Nous sommes ici. Alors, niveau 3, votre bureau. Très bien. Accès aux navettes, c'est au niveau 1. Je suis vraiment deg hein, pour cette histoire de... De bracelet là où j'ai fait le chemin, mais. C'est des arboretums, non mais on s'en fiche. Le grand hall. Je vais pas changer d'arme pour le moment, on se doute qu'on va se faire attaquer, hein. On a joué la bonne humeur. On va se faire attaquer avec ce qu'il y a à l'intérieur, vu que visiblement tout va bien. Ascenseur principal ici, faut que je monte les escaliers qu'on a là. Donc je sors, je tourne directement sur la gauche. Je prends les escaliers, je monte encore. Ça me permet d'arriver au niveau des bureaux de la direction et d'arriver à mon bureau ensuite. Par contre, j'aimerais sortir, s'il vous plaît. Je suis bloqué. Mon perso voulait plus bouger. C'est dégueulasse. C'est juste de la merde. Mon perso ne peut strictement pas bouger. Alors, il y a peut-être des vitres que j'ai pas vues. On va se dire ça. On va se dire que c'était des vitres que j'ai pas vues. Je pouvais pas aller sur les côtés. Je me suis dit, je tourne direct. J'ai pas pu. Donc, il doit y avoir des vitres. Ah mince, faut que je refasse le trajet. J'ai paniqué. Les vitres étaient particulièrement bien lavées. Oui, je peux scanner en effet. C'est incroyable hein, tous ces petits pouvoirs que nous possédons, comme le scan. Oh, c'est quoi, il y a des vitres là? Il n'y a pas de vitres? Au moment. On va admettre qu'il y a des vitres. Et on va aller tout droit. Je ne peux pas aller tout droit. Non, mon perso est juste. Ok, c'est incroyable. Ah non, c'est à cause de la radiation, c'est ça? Je ne sais pas, je ne comprends plus rien, on s'en fiche. J'ai réussi à passer, il fallait que j'aille tout droit avant de pouvoir tourner. On va se dire que c'est normal. C'est clairement de plus en plus le souk. On vient par ici. Bureau de la direction, énorme. Bonjour. Oh là là. Morgan, Dr. Yu. Oui. Je suis content de vous revoir. Je craignais de ne pas arriver jusqu'ici, mais j'ai encore eu de la chance. Ah, j'ai utilisé votre fabricateur. Ah. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Oh bon non. J'ai réussi à rassembler les matériaux nécessaires pour fabriquer plusieurs cartouches pour votre canon glu. Ah, t'es vraiment permettez-moi bon. De vous montrer ce kit. Il devrait pouvoir augmenter l'efficacité de la consommation de fluide sans nuire à l'efficacité de l'arme. Tenez. Incroyable. T'es vraiment un pote.
Grenade Uranos. Ah, c'est de la bouffe. Je crois que c'était vraiment une grenade. Morgan, j'espère que tu ne m'en veux pas, j'utilisais ton poste de travail. Une puce. Dernière chance, une attaque qui vous tuerait vous laisse à un point de vie à la place. 5 secondes de rechargement. Oh, ça veut dire que toutes les 5 secondes, j'ai une vie supplémentaire. Bien sûr. Mais comment on pourrait en avoir une comme ça en ingénierie. Je me suis permis de te ravitailler. J'ai trouvé de quoi manger en chemin, j'ai laissé tout ça sur ton bureau. Ne t'inquiète pas, tout était rien. J'ai vérifié, aucun mouvement bizarre. C'est la première fois que je reviens ici depuis ton petit sermon sur ma paraplexie. J'étais certaine que tu allais me virer. Malheureusement, tu avais un faible pour moi. Ça se voyait. Ça va. Je ne t'ai jamais dit pourquoi j'avais falsifié mon dossier médical. Bah, je sais que pendant engagé. Ton sermon, quand tu me disais que j'étais égoïste, etc., je sais que tu n'avais pas l'ombre d'un doute. C'est vrai. C'est vrai, c'est tout moi. Mon père a été emprisonné car il a critiqué l'intervention soviétique en Inde. De nombreux prisonniers sont perdus dans des camps de travail sibériens. Continue, hein. Mais mon père, lui, a complètement disparu. Tout ce que je savais, c'était que Transtar recrutait... Continue, hein. Surtout ne t'arrête pas. Père, dans ces camps de travail. Je suis venu là pour toi. Et Alex, et vos expériences. Ah bah, très bien. Eh bien, avant toute autre chose, amuse-toi bien. Ah bah j'ai ça là. Bon, je prends tous les kits de soins que je peux prendre. Je vous le dis, je les prends. Pour le trouver. Et maintenant, je sais qu'il était là. J'ai vu sur ton ordinateur. Tu as trouvé une liste de noms et de numéros d'identification du département psychotronique, du docteur Gallegos. On ne faisait jamais référence aux volontaires russes par leur nom, mais j'ai réussi à trouver un numéro attribué à mon père. On peut sortir son dossier, ses enregistrements archivés. Par contre, si je ton père... Je t'ai déjà demandé beaucoup, mais si tu pouvais trouver cette archive dans le stockage, je vais enfin savoir ce qui est arrivé à mon père. Si ton père, c'est le faux cuisinier. Andronov, V-010655-32. J'en ai 7, est-ce que je monte à 10 ou est-ce que j'achète des munitions de type shotgun. On va prendre des munitions. Même si je suis un peu en rage d'objets de soins. Faut que je puisse me battre. Morgan, je craignais que Dal ou son équipe de sauvetage ne vous soit tombée dessus. Ce sont des opérateurs Black Box NCN9. Pas une les fameux Black Box. Le sauvetage ne fait pas partie de leurs compétences. January, c'est pas le moment. Oui, bien entendu. Mais l'arrivée de Dal pourrait nous être utile, tant qu'il reste vivant. Vous savez sans doute qu'il a reçu plusieurs neuromodes, un mélange banal de combat, de tactique et d'interrogation. Votre père et le conseil ne font pas les choses à moitié. Docteur Igwe, veuillez présenter vos conclusions à Morgan. Igwe, votre idée serait de... Ah, d'accord. Eh bien, voyez-vous, les modes de Dal sont des bêtas de série C. Ils sont vulnérables. Il a de ce fait des positions un peu rétrogrades sur certains sujets. Si on les lui retirait, il oublierait peut-être sa mission ici. Mais nous aurions malgré tout accès à sa navette pour rentrer chez nous. À condition que ses capacités de pilotage ne soient pas altérées. C'est un risque qui vaut la peine d'être pris, selon moi. Il faudra évidemment le maîtriser. Je crains que cette tâche ne vous revienne. Personne d'autre dans cette station n'est capable de piloter la navette. Ça vaut le coup d'essayer. Et il y a eu bien assez de morts. Neutraliser Dal sans le tuer. Vous m'avez conçu pour vous assister. J'ai plus d'instructions. Morgan. Mais je ne peux y accéder tant que vous n'avez pas trouvé les deux clés d'armement. Morgan. Oui, bonjour. Morgan. 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 Ok, très bien. Ok, très bien, excellent. On va même faire une grosse sauvegarde. C'est énorme. Donc... Père de Mekalax, accéder au terminal des archives sur les volontaires dans le stockage.
sais pas où c'est. Ça a l'air très bien. Ma vie, il est mort. Pire encore, c'est le faux cuisinier. L'arrivée du commandant Dahl, neutraliser Dahl sans le tuer. Moi je veux bien, mais... Navette de commande. Mais il est où? Surtout. Ah, il est dans l'accès aux navettes. D'accord. Et donc là, après ici, c'est un terminal. On a là. Bon. On a fait une petite sauvegarde. Si on perd trop de vie en essayant de faire le truc du terminal, on recharge. Ok? Où est le terminal? Il est bien au niveau 3. Ah, c'est là, c'est dans les laboratoires techniques, ok. Toujours à 22 PV, hein. Tout va bien. C'est pour ça que j'ai fait une grosse sauvegarde. Comme ça, les... vu qu'on change de zone à chaque fois, ça re-sauvegarde. Enfin, ça nous fait des checkpoints. Mais on peut recharger la partie si jamais on en a besoin. Parce que je veux pas investir trop d'équipement parce que je sais pas combien de missions vont nous demander de traverser plein de décors pour avancer dans l'histoire. Ensuite, il faut que j'aille au niveau 1, c'est bel et bien ici. Mais non, mais ça c'est pour l'histoire principale. On est marqué comme inactif, voilà, comme ça on va marquer un seul truc d'actif à la fois. Il faut que j'aille au stockage. Donc, c'est par où? Mais faut que je retourne sur mes pas. Non mais insupportable hein. Des problèmes de suivre plusieurs quêtes en même temps. Tu dis du. Alors. Ici, maintenant, niveau 3. Non mais il me dit de retourner dans l'autre zone. Non mais c'est terrible. Il sait pas me diriger en fait. Juste relou. Après, je peux reprendre l'ascenseur et tout, mais s'il n'arrive pas à me diriger, c'est embêtant. Ça. Navette de commande, clé d'autodestruction. Donc on va enlever ça. Navette de commande. Navette de commande, c'est niveau 1. Accès aux navettes. Donc c'est au niveau de mon escalier là. Je reviens vers là. Là il faut que j'aille. On va par là. Shuttle Bay. Ok. Je voudrais faire des quêtes secondaires de temps en temps. Il y en a beaucoup plus que ce que je voudrais faire, mais les quelques fois en plus où j'essaie de les faire, on me dirige n'importe comment. Je suis pas d'accord. Et les quelques fois où j'essaie de me diriger tout seul, je ne fais pas ce qu'il faut, visiblement. Donc bon. Ok, d'accord, ça se bat. C'est la fête, profitons du chaos et fonçons. C'est une nouvelle zone. Parce que là, il va falloir que j'y aille, entre guillemets, normalement. Je fouille un peu, quoi. Que je m'équipe un poil. Demande de nouvel opérateur. Opérateur Black Box NCN9. Je sais pas si j'avais fait le... Veuillez vous éloigner de l'ouverture.
Faisant la quête Black Box, peut-être que j'aurais eu moins de problèmes. Hein. David. J'ai réfléchi à ce que vous avez fait, à ce que vous faites. Chacun agit en fonction de sa nature. Quoi qu'en disent les psychologues et les curés, et votre nature, je crois que j'avais vu juste. Vous êtes un rat, débrouillard, rusé, infecté par une sorte de peste cérébrale. Cette station a été votre laboratoire. L'expérience a été un échec. Et bien sûr, j'imagine que vous connaissez le sort réservé aux rats dont on n'a plus besoin. F. Oui. On gratte des PV. Ok. Rien de particulier ici. Ensuite. Plus de lavabo. Shitballs. C'est pas le moment de recharger. Reprise du déploiement de l'opérateur. Ah bah il m'attend, hein. Demande de nouvel opérateur. Mais il y en a l'infinité. C'est un ennui.